direct sur la page de MST Studio et en différé sur la Panafricaine du sport et de la culture, CIS TV. Aujourd'hui, on est avec un jeune talentueux qui n'est plus à présenter et se nomme tout simplement Tams Cartel. Bonsoir Tams. Bonsoir. Ça va mon frère? Oui, ça va. On dit quoi? Yeah, tranquille. Ouais. Alhamdulillah. Tu viens juste à peine de débarquer Conakry, du côté du Maroc. Tu viens juste à peine de venir. Yes, long time. Toi-même, tu sais. Tu étais parti pour les showcases ou bien pour un album? Oh, on était parti de trouver de nouveaux vibes. Nouveau vibes? Oui, oui. Tu as trouvé de nouveaux vibes? Yes, I. Tu as enregistré combien de sons? Plein. Au moins jusqu'à 5 titres, mon show comme ça. 5 titres que vous avez enregistrés? Oui, là-bas. Oui. Vu que tu viens juste à peine de venir, tu as trouvé le terrain déjà miné. Qu'est-ce que Tamsi pourra faire réellement pour se démarquer encore de nouveaux talents? Déjà, je suis très content depuis quand j'étais là-bas. Oui. Le terrain, les musiciens, ils travaillent. Oui. Donc, je suis content. Tu as fait ton choix, tu as pris le groupe Ontanarala qui devrait t'accompagner. Oui, effectivement. Voilà, la question que je voulais poser, vu que tu viens juste à peine d'arriver, le terrain est miné, il y a beaucoup de jeunes talentueux maintenant ici. Comment Tamsi pourra se démarquer encore pour s'imposer? Bon, je vais suivre le temps, je vais continuer à suivre aussi le mouvement et je vais me récupérer. Tu vas te récupérer pour t'imposer encore comme d'habitude? Oui, oui, c'est ça. Et quels sont les liens toi et King Alasko? Bon, mes liens aujourd'hui avec King Alasko, depuis que je suis venu, on ne s'est pas vu, mais c'est mon ami. C'est ton ami toujours? Oui, toujours c'est mon ami. Ok, vu que tu as sillonné pas mal de maisons de production, à un certain temps tu étais du côté de MLP, par après Benedict Records et Urban Connection, et aujourd'hui est-ce que tu as signé avec une nouvelle maison de production, ou bien c'est Cartel Production qui va te gérer? Bon, pour le moment je suis en autoproduction. Avec quelle maison? En production. Oui, oui. Le nom de ta maison de production, vu que tu es en autoproduction. Oui, en autoproduction, je suis sur le compte d'Africa War Music. Ok. Et vu que tu as quitté toutes ces maisons de production, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Bon, le problème est que, à l'ensemble, que ça ne va pas, tu vois, nous, chez les producteurs ici en Guinée, okay. Ils n'aident pas vite les artistes. Ok. Donc, le problème est que le travail en avant est. Et les productions la production sont lentes. Ok, par rapport entre toi et Abdou particulièrement, c'est quoi le problème? Le problème est qu'il faut que le gars aussi l'accélère sur le travail. Ok. Donc c'est tout ce qui m'a mis en attente, c'est ça. Ok, raison pour laquelle tu as quitté encore Urban Connection? Non, je n'ai pas quitté aucune production, mais je les ai mis en attente. Peut-être ils sont en réflexion, comment on puisse m'aider, tu vois. Yes, ça. Tams Cartel. Alors, Tams Cartel en direct ici même sur la page MSD Studio et en différé sur la Panafricaine du sport qui est 6 TV. Aujourd'hui, il sera accompagné par l'orchestre panafricain qui est Wontanara Live. Ça va être du lourd, rien à dire. Alors, Tamsi, vraiment, merci d'être venu. Merci. Je n'ai pas venu pour trop parler ici, tu es venu faire du show. Alors, tu vas faire du fire avec l'orchestre panafricain qui est Wontanara Live qui va t'accompagner ce soir. Oui. Merci plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, champion. Plaisir. Dance, 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 dance
Thank you.
Thank you.
So say that Steve, yeah. Thumbs can't tell what turn out alive. Gonna agree. Next. I'm gonna be
Ghetto. Ghetto. Le son qui vient s'appelle Ghetto. Yes, sir. Bonye mou boma. Tamska tel bonye mou boma. You again. I'm gonna go
Il y a plus de 150 et quelques personnes. On a dit, Ou bien, photo. Ah, c'est pas pressé.